C'est parti pour une journée à la plage. Donc aujourd'hui, on va du côté du Cap Blanc-Nez, Cap Griné, chose qu'on n'a jamais faite encore. Pourtant, c'est pas si loin que ça de chez nous. On a quoi, 1h45 de route. Et du coup, ben, on en profite, il fait super beau. Justement, hier, on se disait, oh, on va peut-être pas bouger parce qu'il fait trop chaud. C'est vrai qu'hier, on respirait plus dans la maison. Mais finalement, on s'est dit que sur la côte, il fera sûrement meilleur, ce sera plus respirable entre guillemets avec le vent. Voilà, donc finalement, je crois que c'est une bonne idée. Manger une glace et regardez-moi ça, c'est juste énorme. J'ai l'impression d'être aux États-Unis à Santa Monica avec la roue sur la plage. C'est trop joli. Hello, hello. Bon, on se retrouve aujourd'hui, une nouvelle journée, et ça fait très longtemps que nous ne sommes pas venus là, c'était avant le confinement, donc ça fait plusieurs mois, chez Jiffy. Alors tu dis pourquoi on vient chez Jiffy? Raconte, c'est surtout pour toi. Bah non, c'est pour faire des achats. Bah ouais, mais pourquoi? Parce qu'il va bientôt y avoir une carte cadeau de 200€ à gagner. Bon, déjà j'adore ce coussin, j'adore franchement. Et là, il y a exactement, enfin, presque le même style que j'ai acheté. Mais je vois bien des coussins comme ça, là, dans le salon. Et j'ai un gros craquage pour ça, j'adore. Franchement, quand j'ai vu ces tables de nuit, je me suis dit, mais non, mais elles sont trop belles, en plus, moins 50%. Le truc est que Greg n'est pas d'accord. Donc Greg me dit non. Donc j'essaye de dire à Mathéo que je lui donne un billet s'il va dire à Greg que c'est beau. Hein, c'est beau? C'est beaucoup trop moche. Mathéo n'est pas d'accord non plus, il est trop. Il n'est pas à son goût, hein, mais moi j'adore. Franchement, j'aime trop, je suis dégoûtée. J'essaie de convaincre Greg, mais il n'est pas. Il va pas se laisser convaincre, je pense pas. Hein. Allez Mathéo, je te donne un billet. Non. Allez, va dire qu'elles sont belles. Regarde-le. Ah, j'adore moi. Franchement, j'aime trop. J'aime tout ce qui est comme ça, en rotin, etc. J'aime trop. De retour de chez Jiffy, je vais vous montrer nos trouvailles. Alors en premier temps, là j'ai pris des perles parce que j'adore faire des bracelets. Vous savez, comme ça en perles avec les lettres. Et là c'est des petites perles séparateurs. Alors j'ai vu qu'il y avait des bracelets, des perles avec des lettres normalement, mais le rayon était vide. Mais au cas où, voilà, je vous préviens, il y en a. Et là, j'ai pris juste des séparateurs. Ensuite, une boîte à pain. J'ai vraiment adoré, j'adore tout ce qui est en bois comme ça. Oh, désolé pour le bruit. Et du coup, j'ai pris cette boîte à pain parce qu'on en avait une en alu, mais à peine on touche, ça fait des traces de doigts, etc. Donc ça n'allait pas du tout. Ici, alors, trop contente de cette trouvaille. J'ai failli en acheter sur internet en plus.
un petit gilet comme ça pour aller à la mer. Bon, alors, il y a un maître nageur qui nous a dit que, enfin sur internet, hein, sur Instagram, que c'est pas pour aller à la piscine, vaut mieux des brassards pour apprendre à nager. Mais là, le but, c'est pas de lui apprendre à nager, c'est surtout de le protéger à la mer, etc. La mer, de toute façon, il va pas apprendre à nager à la mer, hein, dans les vagues. Donc voilà, je serais plus rassurée avec son petit gilet. Puis en plus, il est trop mignon. J'ai déjà entendu que les brassards, justement, il fallait faire attention parce que j'ai vu une vidéo, un enfant qui plonge et qui perd ses brassards en plongeant. Enfin bref, moi ça m'a trop fait peur et du coup je me dis qu'un gilet comme ça c'est beaucoup plus sécurisant. Donc il y avait ça, un petit lion, et il y avait aussi en tortue. Voilà. Et le prix je crois que c'était 23€. Et franchement c'est vraiment ma plus belle trouvaille de chez Jiffy. Je suis trop contente de vous partager ce bon plan. Ensuite pour Mathéo, il s'est choisi une lampe de bureau, enfin pour sa chambre. Greg il s'est pris quelques petits trucs là pour la douche, du gel, voilà, dentifrice, etc. Et ensuite, alors là c'est pour les toilettes, j'ai trop aimé aussi ce petit meuble là pour ranger le papier toilette. Et puis là mettre le rouleau, c'est vrai que notre rouleau il est posé comme ça sur la poubelle des toilettes. Alors du coup quand j'ai vu ça, je dis ah bah ça sera trop canon et pratique en même temps. Et dernière chose ici, alors là il y a une plaque de verre parce que je ne l'ai pas mise là pour vous montrer tant qu'il est là et j'avais peur que Gabin fasse aller ses voitures dessus, qu'il me le raye. Mais du coup voilà, c'est une petite table, un petit bout de tabouret, ils appellent ça en bois là, j'aime trop, vraiment ça c'est trop beau. Je ne sais pas encore si je le laisse en bas ou si on le met en haut dans la chambre, mais voilà, je l'ai acheté parce que c'était un gros coup de cœur et puis je n'ai pas encore vraiment la place exact où on va le mettre, mais il était trop beau. Voilà pour les trouvailles de chez Jiffy. Ben on est où? La mer. On est à la mer? Ah non, on n'est pas à la mer. On regarde les chevaux. Les chevaux. Tu as vu les chevaux? Waouh. Tu leur as fait voir aux chevaux comme tu es beau avec tes cheveux coupés? Greg dans son élément avec les animaux. L'amour, l'ami des bêtes. Et là, c'est le cheval de ma copine. Elle nous a fait les présentations aujourd'hui avec Five. Bah, t'es une doudou, c'est pour faire dodo. On fait pas dodo là. Bah non. Gabin, tu aimerais bien monter sur un cheval un jour? Ou sur un poney? Oui. Tu veux monter le cheval? Oui. Quand tu seras plus grand, tu feras du cheval? Qu'est-ce qu'il fait le cheval? Un cheval de quelle couleur tu aimes bien? Tu aimerais bien un cheval de quelle couleur? Marron, blanc, gris? Marron? Ni marron. Marron. C'est papa qui veut un marron. À savoir, hein, je vous rappelle, Greg a fait de l'équitation pendant 10 ans. 10 ans. Galo 6. Galo 6. Et moi, galo 3, presque 4. Bon, je vous retrouve ce soir en mode camping, matelas par terre. En fait, hier, on a démonté notre lit parce qu'on en a reçu un nouveau. Et du coup, bon, on doit le monter demain. J'ai hâte de vous le montrer, il a l'air magnifique, j'ai vraiment hâte. Donc voilà, du coup ce soir c'est camping et voilà, un matelas par terre. C'était trop bizarre parce qu'on avait le lit Brims d'IKEA qui était vraiment très haut. Et là on se retrouve à ras du sol. Mais bon, c'est rien. Voilà, comme ça on installe tout demain, je vous montrerai, j'ai trop hâte. Enfin, vous verrez sûrement dans le prochain vlog parce que du coup je vais couper celui-ci maintenant pour pouvoir vous le publier directement demain. Voilà, bon, sur ce, ah oui, la soirée de ce soir, mon dieu.
on n'arrête pas de retourner toute la maison parce que Greg a perdu ses clés de voiture. Alors trop bizarre, il les avait pour la dernière fois hier soir et depuis plus rien. Et franchement on a tout retourné et impossible de les trouver. Et ça me fait penser à celle qui me suivait, je vous l'avais pas dit ici, je l'avais raconté sur Instagram je crois. J'avais perdu le mois dernier ma carte bleue comme ça et d'ailleurs je l'ai jamais retrouvée. Donc j'ai l'impression qu'il y a une petite souris dans la maison qui vient et qui nous vole nos affaires. C'est un truc de fou du coup bah... Non, là, mais ça rend fou en fait de chercher comme ça partout. Ça rend dingue. Donc là, bah, moi j'arrête de chercher. Greg, je pense qu'il va arrêter aussi là parce qu'il est quand même 22h. On cherche depuis 19h. Et ça rend fou. Voilà. Donc suite au prochain épisode. Voilà. Sur ce, bien, je vous fais plein de gros bisous. Et puis bah, je vous dis à bientôt dans le prochain vlog.